Une recette qui mêle agréablement les fruits rouges et les melons. J'ouvre joliment mon melon pour le récupérer comme récipient de service. À l'aide d'une cuillère, j'enlève les pépins. À l'aide d'une cuillère à pommes parisienne, je réalise de belles billes de melon. J'enlève le pédoncule de mes fraises. Je les coupe en deux ou en quatre selon la taille. Dans une poêle chaude, je verse mon sucre pour le caraméliser. Lorsque mon caramel a une jolie couleur dorée, j'ajoute progressivement le Porto. J'attends bien que mon caramel soit détendu avant d'ajouter à nouveau une cuillère de Porto. Je laisse réduire mon Porto jusqu'à obtenir une sauce sirupeuse. Dans ce caramel de Porto, j'ajoute maintenant les fraises. Et je les enrobe pendant 30 secondes avant de les mélanger aux billes de melon. Pour le sorbet minute, je porte l'eau et le sucre à ébullition pour réaliser un sirop. Je verse mon sirop bouillant sur mes framboises congelées. Je verse mon sorbet dans un bol que je conserve au réfrigérateur. Je remplis de petites verrines avec mon sorbet crémeux. Je garnis mon melon avec mes fruits. Je termine en remplissant le melon de jus. Et je décore avec une pluche de menthe par exemple. Selon le nombre de convives que vous avez, vous pouvez ou utiliser le melon pour le présenter, ou alors servir directement dans des verrines.